nous à moi. Moussa, 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 là, mon t-shirt blanc qui en bas la sort là, je sais pas pourquoi, c'est quoi ça? Ce joli t-shirt que vous voyez ici, c'est le t-shirt du retour d'Apoutou National à Abidjan qui est prévu le 10 mars à partir de 19h. L'enfant prodige du pays, le digne fils de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a quitté la terre natale, c'est-à-dire le 22 novembre 2018, sera de retour dans son pays. Les t-shirts sont disponibles, c'est gratuit, ce n'est pas payant. J'ai mis à la disposition de la population ivoirienne 5 cas, non 6 cas. C'est-à-dire, 3 cas vont quitter à Paillé. Tous ceux qui sont à Bobo, qui sont à Djamé, j'ai mis 3 cas pour la population de mes Noussis. Parce que il faudrait que les Noussis soient de la partie pour venir accueillir les œufs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai mis 3 quarts pour ceux qui sont à Bobo, pour ceux qui sont à Djamé. Donc le convoi quitte à Paillé. Pour Yopougo, j'ai mis 2 quarts. Tous ceux qui sont à Yopougo, tous ceux qui sont à Yopougo, il y a 2 quarts pour la population de Yopougo. Les quarts, les transports sont gratuits. Tu as ton t-shirt, tu prends ton t-shirt, tu montes dans le car, direction à l'aéroport. Pour tous ceux qui sont à Yopougo, tous ceux qui sont à Jesco, qui sont à Nanere, toute la population de Yopougo, j'ai mis 2 cas pour eux. Maintenant que tu traverses l'eau, tous ceux qui sont à Trècheville, qui sont à Koumassi, qui sont à Makori, qui sont à Pomboué, qui sont à Gonzagueville, j'ai mis aussi 2 cas. Les 2 cas vont quitter au rond-point de Koumassi, juste à côté de l'hôpital de Koumassi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai mis au total 7 cas à la disposition de la Côte d'Ivoire, pour que vous venez accueillir le guide. L'enfant prodige du pays sera de retour. Nous devons montrer à la face du monde entier que le Apoutou National, votre artiste chanteur, l'influenceur le plus incontournable de l'Afrique, sera de retour en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout à l'heure, je vais vous donner un numéro de téléphone que vous pourriez appeler pour tous ceux qui aimeraient avoir les t-shirts gratuitement. Le transport pour aller à l'aéroport, c'est gratuit. De l'aéroport, nous allons nous retrouver dans un endroit dans le but de manger, boire et célébrer le retour du guide au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était d'abord le premier message que je devais annoncer d'abord à ma nation. Voilà. Donc pour dire, tous ceux qui sont à Yopougon, 2 quarts, tous ceux qui sont à Djamé, à Bobo, qui sont aux alentours, vraiment à Djamé, à Bobo, vont quitter à Paillé. 3 quarts, tous ceux qui sont à Koumassi, et puis les t-shirts sont déjà disponibles. J'ai fabriqué 500 t-shirts pour la population de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce jour-là, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny doit trembler afin que le président Alassane Ouattara puisse se dire quel est cet enfant qui vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que mon arrivée au pays doit être spectaculaire,
un bâtard. Comment on appelle ça, mais viens même là. Mon arrivée au pays doit être spectaculaire. Oh, Aboutchou, fais des efforts. Il y a longtemps, tu n'as pas vu dans ce genre de bêtises là. Tu vas faire les gens vont te traiter d'analphabète. Fais des efforts. Tu retournes en Côte d'Ivoire, faut aller montrer aux Ivoiriens le français que tu as appris en Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon retour sera pestacu. Pestacu. Ah, bâtard. Bon, écoutons la musique là, c'est mon prochain son. Attends, j'ai partagé le direct. J'ai dit, ce direct-là est interdit au moins de 30 ans. Si tu n'as pas 30 ans, il faut quitter le direct. Tu n'as pas 30 ans, il faut quitter le direct. Va t'asseoir quelque part. Quand le direct va finir, tu vas demander aux gens qu'est-ce qu'Aboutchou National a dit dans le direct. Ben, le direct est dosé, limpide et spectaculaire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas 30 ans, quitte le direct. Voilà. Ben, ça sera dosé. À 5000 personnes connectées, je commence à parler. Donnez-moi les 10 000 partages. Ben, ce soir ici, là, je vais prêcher le Vangile comme je ne l'ai jamais prêché. Je dis à 5000 personnes connectées, je commence à parler. Je vais les 10 000 partages. D'abord, mais moi-même, je vais partager ça d'abord sur Appel et Guide. Pour que tous ceux qui sont sur Appel et Guide puissent revenir sur ce direct-là. Voilà. Et enfin, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes à 1500 partages. Je dis bien, j'ai les 10 000 partages. Je veux les 10 000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi mes 10 000 partages. Nous sommes à 1500 partages. Je veux mes 10 000 partages, s'il vous plaît. Je veux mes 10 000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donnez-moi mes 10 000 partages. Et puis, on va commencer le direct. Si tu es en train de mougou, arrête de mougou. Ce soir ici, tu es en train de mougou, il faut arrêter de mougou. Tu es en train de manger, dépose la nourriture. Tu es en train de dormir, réveille-toi. Appelez vos frères, vos cousins, qui sont là à l'église, à la mosquée. Dites-leur, il est 20h. Ils n'ont qu'à tout sortir. Nous allons parler ce soir, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, tous ceux qui sont en train de mougou, qu'ils arrêtent de mougou. Après tu vas mougou. D'ailleurs même, tu as éjaculation précoce. Donc tu vas rien faire sur la fille. Tu ne vas même pas durer 2 minutes, peut-être tu as déjà versé, donc ça ne sert à rien. Mon gars, couche-toi là-bas, puis tais-toi, pour se démarrer là. Tu es en train de mourir, arrête. Tu es en train de manger, arrête. C'est ça qu'il s'agit. Partage le direct. 5000 personnes connectées, je commence à parler. Écoutez, la nouvelle sortie d'Aboutchou National, qui sera disponible ce 28 février, à partir de 20h, sur ma page YouTube. Fit Angelo Basta. Écoutez un peu, le début. Écoutez un peu. Dérange. J'ai même pas commencé à parler déjà. Ils se sont réunis, brebis et garés, pour venir signaler mon direct. Mettez la tête de mort, c'est pas grave. Ça ne change rien à la destinée que Dieu a tracée pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais peur à ceux même qui font peur. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc la famille, nous sommes 3500 personnes connectées. Je dis les 5000 personnes connectées, je commence à parler ce soir. Donnez-moi mes 10 000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, j'aimerais déjà dire ici à toute la population de Côte d'Ivoire, les t-shirts sont déjà disponibles. Tous ceux qui aimeraient venir me soutenir le 10, je dis bien, le 10 mars à partir de 19h,
À la réponse, Félix Houphouët-Boigny, l'enfant prodige de la Côte d'Ivoire. Cet enfant-là, qui est un digne fils de notre pays, l'influenceur le plus incontournable de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui fait trembler ceux qui font trembler. On vous appelle ici à venir massivement. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Tu es en train de boire, arrête de boire. Tu es en train de mougou, arrête de mougou. Ce 10 mars-là, rien ne doit t'empêcher d'être à la réponse Félix Houphouët-Boigny. Tu prétends que je suis ton influenceur préféré. Tu prétends que je suis ton artiste préféré. Tu prétends que je suis, c'est-à-dire, l'homme que tu aimes regarder sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, tu ne dois pas rater ça. À 19h, tu dois être à la réponse Félix Houphouët-Boigny. Vieux, jeunes, enfants, mobilisez-vous massivement. Dans toutes ces différentes communes, les cas seront disponibles pour que vous puissiez venir à la réponse Félix Houphouët-Boigny. Donc, à toute la population de Paillé, c'est pas une histoire de dire le petit se prend pour qui. Il pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il est devenu star. Il pense qu'il se prend pour qui. Nous, on va aller l'accueillir. Nous, on va aller l'accueillir. Ce n'est pas une histoire d'être star. C'est une histoire d'aller accueillir vos frères. Votre ami qui a quitté la terre de la Côte d'Ivoire, venu en Europe aujourd'hui, qui vient avec un nouvel visage ou un nouveau visage. Un bâtard, mon dieu. Apparemment, je suis quitté dans le conflit. Mon côté zinzin s'est activé. Je reviens avec une nouvelle nouveau. De toutes les façons, nouveau, nouvelle. C'est déjà nouveau ou bien c'est déjà nouvelle. En Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais voir les 10 000 partages. Je vais voir les 10 000 partages. Est-ce qu'il y en a fait les 10 000 partages? La famille sécurisée le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais voir les cœurs. Ils ont enlevé mes étoiles parce que les gens signalent beaucoup ma page. Facebook a enlevé mes étoiles. Donc, je ne peux pas vous demander de mettre les étoiles. Nous sommes à 4 000 partages. J'ai dit, j'ai les 10 000 partages. Je veux les 10 000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs massivement. Mettez les cœurs massivement. Il y a quelqu'un qui me dit quoi? Tu te vois en star. Et le gars là, il est parti où? Il veut fuir. Moi, je veux fuir. Bloquer ça, animal là. Voilà. Va sur la page de l'autre là. C'est ça qu'il s'agit. Le 10 mars, tous à la réponse, Félix Houphouët-Boigny. C'est ça qu'il s'agit. Partez le direct. On écoute encore le prochain son d'Abuja National. En exclusivité ici. Voilà. Le début. Partagez.
Tu t'as habitué, moi t'inviter sur les grands plateaux de télé. La jeunesse, les enfants te regardent. On dit, ah, ça c'est quel modèle d'influenceur ça? On dit, ah, c'est un modèle d'influenceur qui vit en Europe. Oh. De toute façon, tout le monde le savent. Je suis un Yakuba ici, un guéré. Je suis un alphabet, un dépit qui s'est transformé en Bakayoko. Donc le français ne peut pas être limpide. Djoula ne comprend pas français. Djoula ne comprend pas français. Yakuba est zinzin. Guéré même, on n'en parle pas. Donc, trois mélanges dans mon corps, ça ne peut que donner ce que vous entendez là. C'est pas grave. Un moment comme cela, il n'y a pas à faire de problème là. Partez-moi le dire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on atteint les 10 000 partages? Si on atteint les 10 000 partages, il commence à parler. Un direct, bon, tu te vois en un direct complètement spectaculaire. Nous sommes 3900 personnes connectées. Je vois ici rapidement les 10 000 partages. Malgré que la page est au rouge, nous arrivons quand même à mobiliser du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes à 5200 partages. Je dis, je vois les 10 000 partages. Mettez les cœurs. Je vois les 10 000 partages. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça fait combien de minutes dans le direct? Ça fait 15 minutes. Ok, on écoute la chanson là pour la dernière fois. Et puis on rentre rapidement dans le vif du sujet. Voilà. Cette chanson que vous écoutez ici, c'est mon prochain son. C'est en feat avec Angelo Basta qui va sortir le 28 février 2022. C'est-à-dire 12 jours avant mon arrivée, 10 jours avant mon arrivée en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le 28, là, tout sur ma chaîne YouTube, vous tapez Apoutou National, vous allez écouter l'exclusivité de la chanson. Je viens à Abidjan pour faire le clip. Donc je serai à Abidjan pour faire le clip avec Angelo Basta le 10 en Côte d'Ivoire pour le clip de la nouvelle chanson qui arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Apoutou National. L'artiste incontournable, il n'y a pas aucun. En des amours, écoutez. Écoutez un peu. Partagez. Ici du bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Vous l'avez déjà reconnu, c'est Agbès Stéphane, le maire de Paris, le Apoutou National, le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des brebis égarées. Appelez-moi David. Pour l'année 2022, je me fais appeler Apoutou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux, celui-là même qui a révolutionné le milieu de Facebook ivoirien et africain, qui a porté un nouvel visage, c'est-à-dire, oui, j'ai dit un nouveau visage tout à l'heure, mais c'est pas ça. Tu as porté un nouvel visage dans le milieu du blog. Ce n'est pas le visage de Dougoutigui, mais c'est le visage, c'est-à-dire qui est joli en Côte d'Ivoire? Qui est joli en Côte d'Ivoire? Qui peut être joli? C'est Yéline Bakayoko qui est joli en Côte d'Ivoire. Qui est plus joli que Yéline Bakayoko? C'est le visage de Yéline Bakayoko. Ce n'est pas le visage de Dougoutigui, donc un nouvel visage. C'est-à-dire, j'ai apporté un nouvel visage au blog ivoirien, au blog africain. Ce qui ne ressemble pas au visage de Dougoutigui. Qui ne ressemble pas au visage de... C'est pas qui visage... C'est le visage de Yéline Bakayoko, c'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici d'abord, avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet de manière spectaculaire, spirituelle, j'aimerais encore une fois de plus annoncer mon arrivée en Côte d'Ivoire. Le chef du village sera de retour, Apoutou Bakayoko. Le dernier de la famille de Bakayoko, petit frère direct de Yéline Bakayoko, sera à Abidjan. Le 10 mars, à partir de 19h, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc venez m'accueillir. Venez accueillir votre frère.
C'est pas une histoire de dire ce jeune-là se prend pour qui. Parce qu'on partage tes vidéos sur Internet, donc tu vas penser que tu es arrivé. Non. Omni que je sois un influenceur sur la toile, je suis désormais un artiste. Et quand un artiste arrive dans un pays, les fans de l'artiste doivent se mobiliser pour dire on va soutenir cet artiste-là. Peut-être parmi vous, d'autres ne croient pas à mon talent d'artiste, mais moi j'ai foi en ce métier-là. Et je sais que je vais révolutionner la musique ivoirienne de la même manière que j'ai révolutionné le milieu du blog. Parce qu'avec moi, il n'y a pas d'échec. Détermination fait partie de mon visage. C'est une nouvelle visage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. J'ai vu une vidéo de mon papa Sérédier. J'ai vu une vidéo de la légende du football ivoirien. J'ai vu une vidéo du monument du football ivoirien. J'ai vu une vidéo de celui-là même qui a fait trembler, mouiller le maillot de la Côte d'Ivoire. Je te parle ici de Sérédier. Je te parle ici de la fierté. Je te parle ici du capitaine courage. Je dis c'est direct interdit à moins de 18 ans parce que je vais parler très fort si Sérédier ce soir ici. Parce que j'ai vu là, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'admettre ça. Personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Donc tu t'assois, le vieux, et puis tu restes là, tu ne bouges pas. Tant que nous-mêmes n'avons pas dit le vieux, tu es fatigué, il ne faut pas dire, tu es là. J'ai vu une vidéo de Sérédier où il était assis dans sa voiture de surcroît, disant comme cela, de manière attends un peu. Bon, je crois que j'ai laissé les clashs, je suis devenu à la normale. Vous allez souffrir avec moi ce soir, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez souffrir avec moi ce soir. Donc partagez les vidéos, mettez les cœurs. Appelez vos frères, vos cousins, vos oncles, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu une vidéo de Sérédier, il était assis dans sa voiture, disant comme cela la Côte d'Ivoire que lui prend sa retraite. C'était sa dernière canne. Qui t'a demandé quelque chose? T'as demandé quelque chose? Tu vas aller où? Tu vas jouer jusqu'à 50 ans dans ce pays-là. Les Ivoiriens ne sont pas encore fatigués de toi, le vieux, tu ne bouges pas. Parce que quand tu se passe en Côte d'Ivoire, tu dois porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas avoir une carrière aussi spectaculaire, une carrière aussi digne de ce nom. Identifiez-moi Sérédier dans la famille. Écrivez le nom de Sérédier en commentaire. Tous ceux qui sont connectés, écrivez son nom en commentaire. Écrivez le nom de Sérédier en commentaire. Dites-lui qu'il y a un vidéoman qui est en train de faire vidéo sur lui ce soir. C'est ça qu'il s'agit. Identifiez le nom de Sérédier en commentaire. Écrivain Sérédier, viens ici. Le papa Sérédier. Tu vas t'asseoir comme cela tranquillement. Et toi, tu vas annoncer de manière. Comment appelle ça même là? Genre, tu annonces ça quelque chose comme cela là. À la Côte d'Ivoire. Que toi, tu vas prendre ta retraite dans la sélection ivoirienne. Que toi, c'était ta dernière canne. Ce n'est pas ta dernière canne, mon vieux. Tu ne bouges pas. Ta dernière canne va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on va aller au terrain. On va payer nos billets d'avion. Pour aller en Côte d'Ivoire, c'est pas pour aller voir autre joueur, c'est pour aller te voir. En aimerait te voir porter le maillot de la Côte d'Ivoire dans ton propre pays, mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire, cette canne-là. Même si tu n'es pas titulaire, nous on s'en fout de ça. Même si tu es si bas de touche, tu seras si bas de touche. Mais tu ne bouges pas à Sérédier. Sérédier, tu ne bouges pas de la sélection ivoirienne. Nous, on est encore prêt pour toi. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas encore fatigués pour toi. J'aimerais te dire déjà. Donc, je ne vais même pas venir ce soir pour dire félicitations, le vieux, d'avoir mouillé le maillot. Tu n'as pas encore fini de mouiller le maillot. Tu n'as pas encore fini de mouiller les maillots. Tu n'as pas encore fini de servir la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'aiment. Le peuple ivoirien t'adore. Les mamans, les enfants, les vieux, les oncles, les cousins, les neveux, les nièces. Tout le monde t'aime. Le vieux Sérédier. C'est pas maintenant que tu vas quitter la sélection. Pendant qu'en 2023, on va loger nos frères camerounais. Toi, tu vas aller où ça? Tu ne bouges pas. Nous-mêmes, on refuse ton départ. C'est-à-dire ta lettre de dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, nous, on refuse ça. Tu restes et tu demeures dans cette équipe nationale. Après 2023, il faut aller à la retraite. C'est pas grave. Mais quand 2023 en Côte d'Ivoire, tu dois jouer ça. Sérédier, Côte d'Ivoire, le papa, l'homme au grand cœur, celui-là même qui est prêt à donner sa vie pour les plus démunis. Le footballeur incontournable, celui qui fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Papa Sérédier, tu ne bouges pas de la sélection ivoirienne. C'est la Côte d'Ivoire qui dit ça. À travers ma voix, j'aimerais te dire toute la pensée des Ivoiriens. Nous ne sommes pas encore prêts pour ton départ. Les Ivoiriens ne sont pas encore prêts pour ta retraite. Donc tu ne bouges pas. Quand 2023, là, tu vas jouer ça en Côte d'Ivoire. C'est facile. C'est facile, Capi. Tu vas aller où ça? Tu vas aller où? Tu ne bouges pas. Nous, on va quitter en France, aux États-Unis, en Chine, au Pakistan, en Sierra Leone, pour aller regarder la CAN 2023 et puis avoir Sérédier sur l'affiche. C'est foutaise, mais c'est quoi? Tu parles de quoi là?
Jean-Louis, on a quand même dit non, merci Capi d'avoir mouillé le maillot, mais on ne te dira rien ici. C'est en 2023, après la CAN, que tu vas remporter pour la deuxième fois avec les jeunes joueurs que nous allons te dire, Capi, vraiment merci pour tout le combat abattu. Merci d'avoir servi dignement la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir immiscé la Côte d'Ivoire vers le sommet. Nous te disons merci et c'est nous maintenant qui t'accompagnons sur la terre promise, comme Moïse a accompagné le peuple de Dieu sur la terre promise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est Dieu, tu ne bouges pas, papa. Tu ne bougeras nulle part et tu restes là. Nous, on n'est pas encore prêts. On a besoin de toi et on a toujours besoin de toi. C'était mon message ce soir. On ne peut pas avoir une CAN qui sera organisée chez nous où nous allons loger nos frères camerounais. Nous allons bien les accueillir. Il faudrait que le Sérédié, l'enfant prodige de la Côte d'Ivoire, capitaine courage, soit de la partie et toi tu viens comme cela, papa. Non, je m'en vais à la retraite. Merci à la Côte d'Ivoire. C'était ma dernière CAN. Je voulais la remporter. Pouvais plaisir. Non, non, tu ne bouges pas. Ce n'est pas le moment de quitter. Le moment de quitter la sélection, là, ce n'est pas le moment. Attends, j'ai bloqué cet animal, là. Le moment de quitter la sélection, ce n'est pas le moment, c'est le Dieu. Le moment de quitter la Côte d'Ivoire, d'abandonner les Ivoiriens, ce n'est pas le moment. Nous avons encore besoin de toi. Donc, reviens sur ta décision. Prends ce maillot que tu prétends déposer et puis continue de mouiller ce maillot. Après la canne chez nous, c'est en juin. La preuve en est, tu es toujours actif. Tu peux jouer le ballon. Même si les Ivoiriens ne sont pas allés loin dans cette canne qui s'est passée là, mais on a vu combien de fois, quand tu rentres dans le terrain, tu mouilles le maillot. Combien de fois tes jeunes frères sont contents de te voir retrouver le terrain. Donc le vieux Sérédié, nous avons besoin de toi. Écrivez en commentaire, Dieu bénit Sérédié. Écrivez en commentaire, Dieu bénit Sérédié. Nous sommes fiers de toi, le vieux. La Côte d'Ivoire est fière de toi. La Côte d'Ivoire t'aime énormément. Tu fais partie des joueurs ivoiriens les plus aimés. Il y a toi, il y a Mas Gradel dans cette sélection-là. Maintenant, viens les Eri Bailly, les Franck Kessier, les Crespo. Nous tous, on vous aime. Mais l'amour que les Ivoiriens ont pour toi, c'est Dieu. Et puis Mas Gradel, c'est au-dessus de l'amour que les Ivoiriens ont pour les autres joueurs. Même si on aime tous les autres joueurs, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est Dieu, papa dans courage, capitaine courage, fierté de la Côte d'Ivoire, deux fils de la Côte d'Ivoire. Tu es irremplaçable dans cette équipe nationale-là. Donc, tu vas aller où ça? Tu ne vas nulle part. Il faut laisser tes roues cascades désordonnées là. Attends, je vais bloquer cet animal là aussi. Bloqué. Toi, tu n'iras nulle part dans cette canne. Nous avons besoin de toi, l'enfant béni de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'était pas un direct long ce soir ici, mais c'était un direct dans le but de dire à mon papa, c'est le Dieu, que la Côte d'Ivoire t'aime. Ton fils Apoutchou, ton premier fils, t'aime énormément. Nous avons besoin de toi pour la CAN 2023, afin que tu puisses mouiller le maillot dignement, représenter la Côte d'Ivoire de manière digne, apporter ton soutien à cette nouvelle génération, ces jeunes joueurs-là, les encadrer et puis aller à cette CAN-là. CAN qui va se passer en Côte d'Ivoire, où on va manger Gaba, où on va manger toutes les bonnes nourritures de ce pays-là. Toi, tu vas dire non, je quitte la sélection, c'était ma dernière CAN, je voulais la remporter. Tu ne bouges pas. Ta lettre de démission-là, nous, on a déjà brûlé ça. Ta lettre de démission-là, nous, on a déjà brûlé ça. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas rester jusqu'après la CAN 2023. Après cette CAN 2023, si tu veux aller à la retraite, il faut aller à la retraite. Nous, on va t'accompagner. Mais quand tu vas se passer à la retraite, toi, tu vas aller à la retraite. Tu ne bouges pas, le vieux. Tu ne bouges pas et tu ne bougeras pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'était ce soir ici mon message. Pour dire déjà, à l'état de Côte d'Ivoire, refusez le départ de Sérédié. Les sélectionneurs, refusez le départ de Sérédié. Il ne bouge pas. Quand il va envoyer sa lettre de départ, il ne bouge pas. Il reste dans l'équipe nationale. Donc, c'est quand tu es dedans là. Faut laisser tes frappes là. Tu ne bouges pas dans cette équipe là. Quand non, je vais aller à la retraite. Tu vas aller dans quelle retraite? Tu es fatigué? Nous, on t'a dit que tu ne joues plus ballon. Est-ce que depuis que tu joues en sélection là, les Ivoiriens ont une fois dit que non, c'est l'air de dire, tu ne mouilles pas le maillot. Tu vas aller où ça? Tu as 40 ans, tu restes sur le terrain. Voilà. Tu vas courir. Déjà même, à ton âge même, déjà même là. Regarde comment tu cours sur le terrain. Les jeunes joueurs même qui ont toutes leurs facultés en place là ne peuvent même pas courir sur le terrain. Mais toi-même, déjà à ton âge, nous, on n'a qu'à te laisser. Conan, je m'en vais à la retraite. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Je vous aime. Vous m'aimez. En tête, oui. Tu nous aimes, oui. Mais tu ne bouges pas. Tu vas aller où ça? Conan, je vais quitter la sélection. Reste là. Après 2023, tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dis ta papa, c'est le Dieu. Après 2023, il va partir. Mais pour l'instant, là, il ne bougera pas de cette équipe nationale. Tu ne bougeras pas aujourd'hui. Tu ne bougeras pas demain. Donc, la famille. Que Dieu vous bénisse.
J'aimerais aussi vous annoncer que mon projet Sans Amour sort le 28 février à partir de 20h sur ma page YouTube. Donc sortez massivement. Venez en boy, en tard, afin que nous puissions écouter cette musique-là. Je viens à Abidjan pour le clip avec Angelo Basta. Voilà. Donc, j'aimerais aussi terminer aussi pour dire à tous les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire, dans les pays comme le Togo, le Bénin, qui peuvent se déplacer pour venir à l'aéroport Félix Oboyi, venez m'accueillir, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis le Aputu national, je suis le guide, le paracétamol, celui-là même qui a révolutionné la Côte d'Ivoire en matière des réseaux sociaux. Oui, parce que quand on dit Facebook Ivoirien est premier là, c'est parce qu'il y a Aputu national qui est là. Qui ont dit Ivoirien est premier? C'est nous qui faisons l'actualité sur la toile, c'est de ça qu'il s'agit. Donc rendez-vous tous le 10 mars à l'aéroport Félix Oboyi, dans le but d'accueillir Aputu national. Les t-shirts sont disponibles, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Tu appelles au numéro que je vais te donner, tu vas, tu retires ton t-shirt. Tu prends ton t-shirt, tu le gardes dans ton placard. Quand on dit le 10 mars à partir de 17h, tu commences déjà à prendre la route pour aller dans les points que nous allons dire. Parce que là, tous ceux qui sont à Djamé, à Bobo, vous partez à Paillé. Paillé, c'est entre le zoo. Paillé, là, c'est entre William Civil, à Djamé, à Bobo et le zoo. Vous partez à Paillé pour monter dans le car. Vous venez automatiquement à l'aéroport. Tous ceux qui sont à Yopougon, vous allez contacter le président CICI. C'est celui-là qui est chargé de rassembler tous les jeunes et les jeunes filles de Yopougon pour venir accueillir le Aputu national. Tous ceux qui sont à Koumassi, vous allez contacter Baou. Voilà, le président Baou, c'est lui qui est chargé de Koumassi, de Trècheville, de Makori et de Pobwe de Gonzac dans le but de rassembler tous mes frères pour venir à l'aéroport Félix Oboyi. Dans ce 10-là, je dois vous voir à l'aéroport Félix Oboyi. Vous devez remplir l'aéroport. Vous devez taper tam-tam. Content de recevoir le Aputu national, l'enfant prodige du pays, le petit fils de la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais d'abord dire à toute la population de Paillé, à mes grands frères, à mes jeunes frères, à tous mes amis, ce n'est pas une histoire de dire que le petit là se prend pour qui. Non, non. Ce n'est pas une histoire de ça. La preuve en est même, je n'ai même pas l'argent que vous. Moi-même, je me cherche, on se cherche. Mais aujourd'hui, je suis devenu personnalité publique. Qui doit me rendre grand? C'est vous, ma population de Paillé. C'est vous ma population de Yopougon, c'est vous ma population de Koumassi. Parce que ces quartiers-là, j'en ai vécu. J'ai connu la galère et nous avons galéré ensemble. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je commence à sortir ma tête de l'eau. C'est une fierté pour Paillé de voir Zanou. Parce que moi, on me connaît en tant que Zanou. On ne me connaît pas en tant qu'Aputu national. Les gens de Paillé de Yopougon me connaissent en tant que Zanou. On m'appelait Zanou. À Paillé, on m'appelle Zanou Nyo Balotelli. C'est ça qu'il s'agit. Donc à toute la population de Paillé, les Belem, les Dikanyo, les Daros, les Moucho, les Anelka, les Tueté, les vieux Père Bolor, les Boukas, toute la population de Paillé, manifestez-vous, venez ensemble, les Baridons, les Bartons, les Baridons, tout ça là, venez massivement. Les petits Seindou avec les Boïs là, rassemblez-vous et puis tous à l'aéroport, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, venez massivement accueillir le Aputu national le 10 mars à partir de 19h. L'aéroport là, on doit crier là-bas. Pour que Ouattara, Papa Ado, puisse dire qui est rentré en Côte d'Ivoire. On dit non, c'est Aputu national. Dis bon, ramenez-moi dans mon bureau là. Cet enfant lui là, apparemment, il a du monde derrière lui. On voit qu'est-ce qu'on peut faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, j'arrive à Abidjan. Donc mon tonton Yerim Bakayoko, tu abonnes sur ma page, tu regardes le direct. À mon arrivée à Abidjan, je vais passer pour te saluer. Étant mon oncle, c'est le petit frère qui doit se déplacer vers le vieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tonton Yerim Bakayoko, j'arrive à Abidjan. Voilà. Mais avant que je ne finisse mon direct, je ne peux pas finir sans vous parler d'Adjongo Rosé. Vous voyez ce produit-là? Ça s'appelle Adjongo Rosé. C'est un produit miraculeux. Tu as les quintos, tu as les taches au milieu de la cuisse. Il y a des femmes qui utilisent des produits qui font que leur visage, un côté est brûlé. Au milieu de la cuisse, c'est noir. Elles n'arrivent pas à se déshabiller dans la lumière devant un homme parce qu'elles ont honte. Ce n'est pas la saleté, mais c'est les produits cosmétiques qui ont fait que quelque part de leur corps est noir. Adjongo Rosé enlève ça. Tu es un enfant qui a des dates, qui a des teignes, qui a des boutons sur le corps, qui a des démangeaisons. Tu es un enfant qui a du mal à avoir une belle peau. Tu achètes les savons, les crèmes des enfants, ça ne va pas. Adjongo Rosé te donne un joli teint à ton enfant. Tu es un homme, tu n'as pas envie de te pommader. Pour prépare qu'on dise que non, tu te tiens chaud. Parce que quand tu vas te pommader, ton un côté va claircir, ton autre sera noir. Parce que garçon ne peut pas se pommader comme femme. Nous, on n'a pas le temps. Mais ce produit Adjongo Rosé te permet d'avoir un joli teint. C'est un produit naturel bio. Il n'y a pas de produit chimique dedans. Il n'y a pas d'acide, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est un produit naturel. Le produit coûte 20 euros. Ce n'est pas le produit qu'on va à 5 euros, à 200 euros, à 400 euros.
C'est un produit qui coûte 20 euros. Accessible à tout le monde. Quel que soit ton pays, tu peux l'avoir. Un livre partout dans le monde entier. Donc, je donne ici les deux différents numéros pour que vous puissiez les contacter. C'est-à-dire, pour les numéros de l'Afrique, pour tous ceux qui sont en Afrique, vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aux alentours de l'Afrique, de l'Ouest, Afrique occidentale, Afrique centrale, vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Tous ceux qui sont en France, qui sont en Europe, tous ceux qui sont aux États-Unis, partout dans le monde entier, vous appelez le plus 33 7 67 72 19 43. Les différents numéros sont juste en haut de ce direct-là. Contactez-les pour avoir le produit à Django Rosé. Ça coûte 20 euros, ça ne coûte pas cher, accessible à tout le monde. Tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut avoir une jolie teinte et tout le monde peut sortir, se déshabiller devant n'importe qui et ne pas avoir honte. Que Dieu bénisse ma nation, que Dieu bénisse tous ceux qui m'aiment, ceux qui partagent mes directs, à tous ces moments, qui prennent de leur temps pour venir me regarder, qui aiment le Aputu National. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous localise et que tout ce que vous touchez dans ce monde puisse se transformer en or. À tous ces jeunes frères qui parfois n'ont pas les moyens, avec 500 francs, 1000 francs, soit ils vont souscrire connexion parce qu'ils ne veulent pas rater le direct d'Aputu National. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tous le 10 mars à partir de 19h à l'aéroport Félix Poboigny. La Côte d'Ivoire doit sentir que l'enfant prodige du pays vient d'arriver. Aputu Bakayoko, le digne fils de la Côte d'Ivoire, l'enfant prodige, l'artiste incontournable. Et surtout, n'oubliez pas cette date-là. Le 28 février, à partir de 20h, sur ma page YouTube, la nouvelle chanson d'Aputu National, Zamou. Ils disent que c'est médicament en fait. Ils disent que j'ai vendu ma mère pour arriver là où je suis. Ils disent que ma maman fait des médicaments pour que je sois là où je suis. On va leur dire que c'est Dieu qui bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec Dieu, il n'y a pas pour tout. Quand Dieu décide de te faire asseoir à la table des rois, nul ne peut contre ça. La famille, shalom à tous, on est ensemble. C'est le Dieu, papa, on a besoin de toi encore en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Biaka.